Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, avait toujours l'habitude de demander la crainte à Allah, le Très-Haut. Ô Seigneur, avec ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures, laisse-moi vivre tant que tu sais que la vie est meilleure pour moi que la mort. Et fais-moi mourir si tu sais que la mort est meilleure pour moi que la vie. Ô Seigneur, je te demande la crainte en secret et en public. Je te demande la parole de vérité dans les moments de satisfaction et de colère. Je te demande la modération dans les situations de richesse et de pauvreté. Je te demande un bien-être qui ne s'épuise pas. Je te demande une jouissance pour les yeux qui ne s'arrête pas. Je te demande d'être agréé après que tu aies prononcé ton jugement. Je te demande une vie paisible après la mort. Je te demande la réjouissance de pouvoir voir ton visage et le désir ardent de te rencontrer sans subir aucun dommage qui me nuise ni de tentation qui m'égare. Ô Seigneur, embellis-nous avec la parure de la croyance et rends-nous des guides bien guidés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous vous remettez à Dieu comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apportera votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid le ventre creux pour y rencontrer le soir le ventre plein. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu nous aide et nous protège, Inch'Allah. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci.